C'est l'heure de retrouver Linda Hamet pour le journal africain. Linda, bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir à tous. Et on commence par les titres. Dans cette édition, nous vous proposons de suivre des analyses politiques sur la position algérienne qui plaide les causes communes africaines avec responsabilité suite à la réunion du C10. Au Maroc, des partis de l'opposition s'insurgent sur la politique de Rabat quant à la série d'actions de normalisation avec l'entité sioniste. Le Sénégal devient producteur de pétrole, c'est à la faveur d'un premier projet offshore accordé à une compagnie australienne. Et qui sera le futur président sud-africain? La question sera tranchée ce vendredi à l'Assemblée nationale en présence des 400 députés élus lors des dernières législatives. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Algérie en appelle à la communauté internationale pour redoubler d'efforts et aboutir à la fin du génocide contre le peuple palestinien. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a réitéré dans un message lu en son nom en Jordanie lors d'un congrès de haut niveau sur la situation humanitaire à Gaza. Le président a mis l'accent sur la nécessité de sauver ce peuple et le délivrer de cette crise humanitaire jugée très critique de par la férocité et la répression continue de l'armée sioniste. Et en guise de soutien financier, Abdelmadjid Tebboune a décidé d'avancer le paiement de la deuxième tranche de la contribution financière à l'autorité palestinienne. L'Algérie s'engage à poursuivre par ailleurs ses efforts au Conseil de sécurité afin de plaider les causes communes africaines avec responsabilité. Une position rappelée lors de la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, dont les travaux se sont tenus hier à Alger. Nous avons des réactions des spécialistes continentaux, à commencer par l'analyse politique du Nigérien Mamouni Managawata, qui salue l'engagement de l'Algérie pour la concrétisation de cette revendication des pays africains pour la réforme du système de l'ONU. Il a été contacté depuis Niamey par Rabea Slimani. Les efforts déployés par l'Algérie, ils sont quand même des efforts à saluer. Et l'Algérie, elle le fait en tant que porte-parole de nombreuses autres voix, de nombreux autres pays aujourd'hui qui estiment que cette réforme, elle est nécessaire. Les pays africains ont évolué, ils ont démontré leur force en termes de contribution aux efforts de développement sur le plan international. L'Afrique dispose des ressources. L'Afrique doit aussi avoir sa voix. Et l'Algérie est non seulement la voix de l'Afrique à l'ONU, mais aussi de tous les peuples opprimés, selon Jean Bosco Bahala, qui répond depuis Kinshasa à Rabea Slimani. Les efforts déployés par l'Algérie. Il y a eu l'émergence de nouvelles forces économiques et même politiques au niveau géostratégique mondial. La présence de tous ces pays et surtout de l'Afrique. La démarche de l'Algérie est suivie et elle est complètement soutenue par tous les pays africains. Nous ne pouvons plus nous contenter seulement d'avoir une place comme membre non permanent sans avoir droit de veto, par exemple. Et c'est ce droit qui permet des pays de s'imposer chaque fois que leurs intérêts sont en jeu. Il faut que cela cesse. Le monde doit devenir équitable. Il y a des injustices, par exemple, chaque fois qu'il s'agit des pays comme Israël qui font des massacres à Gaza, les pays qui les soutiennent sont prêts à aller même empêcher qu'on puisse épingler de façon juridique, suivant la justice internationale, les exactions qu'ils sont en train de faire. Le monde prend conscience de plus en plus qu'il ne peut plus être unilatéral. La rue toujours en effervescence, les protestations s'enchaînent sur le plan social mais aussi politique. Des partis de l'opposition qui s'insurgent et réclament notamment la libération de tous les manifestants emprisonnés pour avoir réclamé la fin de la normalisation avec l'entité sioniste. Les autorités marocaines qui usent également de leur pouvoir colonialiste pour réprimer les défenseurs des droits de l'homme sahraoui. Des étudiants qui ont écopé de lourdes peines pour avoir défendu le principe de liberté. Mohamed Sidi Fadal, directeur de la rédaction de l'agence de presse sahraoui. Ce n'est pas la première fois que le Maroc procède à des procès uniques contre les Sahraouis, que ce soit des étudiants, des activistes ou des défenseurs des droits de l'homme. Comme exemple, on a le groupe Tech de Musique qui purge des peines intenses jusqu'à la perpétuité et tous les Sahraouis qui se prononcent en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui ou de l'indépendance du Sahara occidental. En fait, c'est la politique du Maroc envers les Sahraouis qui sont en faveur de l'autodétermination ou de l'indépendance du Sahara occidental. Une première au Sénégal qui devient producteur de pétrole. Le pays entre dans le cercle des producteurs des hydrocarbures avec l'annonce aujourd'hui par la compagnie australienne Woodside Energy du début de l'extraction de pétrole. Un premier projet offshore, champ de Sangomar au large des côtes africaines. Niester Beni.
C'est officiel, le Sénégal se lance dans la production de pétrole. La compagnie australienne Woodside Energy a annoncé le début de l'extraction de pétrole du champ de San Gomaren, situé en eau profonde. 100 000 barils par jour sont attendus pour les premières phases de développement. Le projet a été lancé en 2020 et il a nécessité environ 5 milliards de dollars d'investissement. La société pétrolière du Sénégal détient 18% des parts du projet. À environ 100 km au sud de Dakar, à Saint-Gomaren, il y a également du gaz. Le pays devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. La production de pétrole et de gaz au Sénégal sera destinée à l'exportation et à la consommation domestique. Les revenus attendus du gaz et du pétrole sont estimés à environ plus d'un milliard d'euros annuellement, alors que la croissance économique du pays est anticipée cette année à 8,8%. Et on enchaîne avec une idée du marché pétrolier aujourd'hui. Les prix fléchissaient après leur poussée de la veille, sont à plus de 81 dollars. L'attention des investisseurs se tourne vers la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, une réunion qui se terminera demain. Afrique du Sud, les 400 députés élus aux dernières législatives se donnent rendez-vous pour ce vendredi au Cap. Lors d'une première session à l'Assemblée nationale, ils doivent élire le futur président. Ce n'est pas la première fois, mais il y a des inédits et probablement des surprises. Marianne Séverine, spécialiste de l'Afrique du Sud. Il y a déjà eu deux gouvernements d'unité nationale. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. La première fois, c'était il y a 30 ans, en 1994. Et la deuxième fois, c'était en 1999. La seule chose qui est une première, c'est que pour l'instant, on ne sait pas qui va être élu président de la République sud-africaine. A priori, ça devrait être Cyril Ramaphosa. Donc pour l'instant, on est obligé d'attendre. Hein. On fait comme tous les Sud-Africains. Nous sommes tous impatients de savoir ce qui va se passer, mais des négociations pour former un gouvernement d'unité nationale, c'est pas seulement Cyril Ramaphosa qui prend la décision. Il faut regarder ce qu'il va proposer, si les autres partis d'opposition sont d'accord. Dans cette affaire, c'est pas seulement l'ANC, le président de la République sud-africaine, c'est également les autres partis. L'Afrique, en bref, c'est d'abord le Soudan où plus de 10 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison de la guerre. Plus de 7 millions ont fui leur foyer pour se réfugier dans d'autres régions, un chiffre qui s'ajoute aux 2 autres millions de personnes déjà déplacées par des conflits antérieurs. Nouvelle attaque au nord-ouest du Nigeria, 26 personnes ont été tuées, dont 4 policiers, des dizaines d'autres ont été enlevés, principalement des femmes et des enfants, des actes répétitifs dans cette région, à savoir l'état de Katsina. Malawi, le vice-président Saulos Chilima et 9 autres personnes sont finalement décédées dans le crash d'un avion militaire porté disparu hier. L'appareil complètement détruit et aucun survivant n'a été retrouvé. C'était la dernière information de cette tournée africaine qui s'achève à 17h48 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Elle a été réalisée par Selma Feguir.